Et bonjour les amis, alors on se retrouve pour le pronostic Quinté Plus de ce samedi 16 mai 2020. Donc désolé de l'heure tardive, j'avais pas mal de trucs à faire cet après-midi, et puis j'ai bossé jusqu'à 3h, donc journée non-stop, donc depuis ce matin 6h jusqu'à 15h cet après-midi. Donc désolé pour l'heure tardive. Donc tout d'abord, je tenais à vous dire que en description sous la vidéo, vous avez mes deux chaînes YouTube secondaires, donc n'hésitez pas à les visionner. Il y a celle de mon boulot, voilà, c'est des vidéos de mon travail, ce que je fais à mon travail, donc n'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas à aller voir mon autre chaîne secondaire également, où c'est les jeux vidéo, donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous y abonner. Mon compte Utip sera en description également, donc n'hésitez pas à aller visionner des pubs, ça vous prend 30 secondes. Ça mange pas de pain, c'est vous qui décidez le nombre de pubs que vous voulez visionner. Et puis voilà, ça fait super plaisir. Donc n'hésitez pas à y aller. Voilà. Donc le pronostic écrit du Quinté Plus sera affiché ici. Donc dans un petit moment, puisque j'ai toutes les vidéos à faire d'un coup. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller le voir dès qu'il sera posté. Voilà, donc le pronostic écrit, comme d'habitude, de ce samedi 16 mai. Donc, le pronostic Quinté Plus sera la R1 C7 à 15h15 à Auteuil. Ce sera la grande course de haies de printemps. Ce sera de la haie, bien sûr, sur 4 300 mètres. Et il y aura 20 partants. Alors, mon niveau de confiance est de 2 sur 5. Alors, méfiance, déjà, il y a 20 partants. Donc, course avec beaucoup de bons chevaux. Donc, méfiance. Et c'est le week-end. Voilà. Donc, méfiance sur cette course. Mon favori sera le 17, Yellowfield, monté par Chitrail. Ma base sera le 14, Foreign Flower, monté par Philippe Rom. Mes outsiders seront le 2, Bunuel, monté par Schmidlin. Le 12, Fou du Brésil, monté par Borin. Et le 7, Stoughton Street, monté par Moreau. Mon jeu simple sera donc le 17, mon second favori le 14, mon tocard le 2 et mon regret le 11, Zaïd, monté par Gilles. Pour ce qui est de mon conseil de jeu, alors mon 2 sur 4 sera le 17 et le 14, mon 2 sur 4 combiné sera le 17, 14, 16, mon couplet combiné sera le 17, 14, 16 et 2. Et mon multi en 7 en champ total sera le 17, 14, 16, 2, 6 et 12. Pour ce qui est de mon tick 3, ce sera le 17, 14, 16, 2 et 6. Pour ce qui est de mon quinté plus, un champ réduit que vous pouvez jouer en flexi, bien entendu, mais jouez-le modérément, très dur à faire entrer et très élevé à mise. Donc ce sera le 17, 14, 16, 2 et 6. 17, 14, 16, pardon, dans ma base, et le 2, 6, 12, 20, 7 et 11 dans mon champ réduit. Désolé, un peu de fatigue. Pour ce qui est de mon jeu, un 8 chevaux, pour le tiercé, quarté, quinté, combiné en 8, que vous pouvez jouer en flexi bien entendu, ce sera le 17, le 14, le 16, le 2, le 6, le 12, le 20 et le 7. Donc voilà. Excusez-moi. Pardon. Encore pardon. Donc voilà pour le pronostic Quinté Plus de ce samedi 16 mai 2020. Donc sur ce, n'hésitez pas à aller voir mon pronostic écrit qui sera affiché en info et en fin de vidéo. N'hésitez pas à aller voir mes deux chaînes YouTube secondaires qui seront affichées en fin de vidéo et en info également. Et n'hésitez pas à aller voir mon compte Utip. Likez un maximum, partagez, abonnez-vous à toutes mes chaînes YouTube, ce serait super génial. Surtout à celle-ci avec le petit logo qui est là, sans oublier la petite cloche pour recevoir mes notifications et vidéos. Et on se retrouve dès demain pour le prochain Quinté. Allez, ciao ciao les potos!